car laisse grandir le moteur. Défiler les acteurs, descend doucement la vitre. Prends un grand soupir, c'est pas ta fin du monde. Prends ton temps et respire. Encore plus fort. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale de plomb verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. La chronique du conseil sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM, les comptes à rendre avec Jennifer Libarquer, Chantal Lheureux, Alain Clavet et Jean-François Labelle. Merci Marc-André, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui, excellent. Un beau retour pour Alain. Oui, merci beaucoup. J'ai hâte d'entendre tout ce que tu as à nous dire sur le Mexique et tous tes voyages que tu as fait dernièrement. Ah oui, oui, le Mexique, c'est extraordinaire le Mexique. J'ai vu beaucoup de choses. Entre autres sur un artiste qui s'appelle Sergio Bustamante, qui vit à Tlacapaque. Alors, c'était mon dernier article dans la métropole. Et j'ai eu vraiment la chance de le rencontrer parce que il fait des bronzes monumentaux. Des bronzes qui peuvent avoir 30-40 pieds de hauteur. C'est absolument étonnant. Alors, j'ai été reçu à sa galerie. Et puis, j'ai pu voir l'ensemble de ses œuvres, donc en bronze, résine, dessin, peinture. C'est quelqu'un qui est connu à travers le monde. Alors vraiment, ça a été vraiment une belle expérience de le rencontrer. Alors, c'est mon dernier article dans la métropole. Excellent. Oui. Puis ça, c'est où ça? En quelle ville? Tlacapaque, en fait, ça fait partie de Guadalajara. OK. Et Guadalajara, pour se souvenir c'est à peu près à 4 heures d'autobus de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, c'est un peu plus connu. Là. Ouais, c'est du côté du Pacifique. Les gens, en général, on connaît plus Cancun, qui est du côté des Caraïbes. Alors, c'est de l'autre côté... l'autre côté du Mexique. Donc, c'est une grande ville dont j'ai déjà parlé, une grande ville culturelle, 4,5 millions d'habitants, 4 universités, des galeries d'art, des artistes de grande qualité. Et Tlacapaque, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'art de très grande qualité, mais aussi de l'artisanat. Mais quand on dit artisanat, vraiment des œuvres en métal, des œuvres en... de la poterie, mais vraiment artistique. Mmh. Et puis, Sergio Bustamante a choisi d'avoir une galerie là. Il y en a d'autres aussi. Il y en a à Puerto Vallarta. Il connaît bien Montréal. Et d'ailleurs, il va venir en visite à Montréal cet été. Alors, je vais avoir l'occasion de le piloter un peu dans les galeries d'art et peut-être même qu'il pourrait venir faire un tour ici. Oui, ça serait excellent. C'est vraiment un artiste de niveau international. Alors, comme d'habitude, je mélange les plaisirs. Alors, dans mon article, j'ai parlé aussi de deux grands restaurants mexicains, La Tequila et Casa Luna, qui font dans la nouvelle cuisine mexicaine avec des parfums un peu, des influences de la France, de l'Italie. Alors, le Mexique, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, il faut sortir de nos carcans habituels. Maintenant, c'est très raffiné et ça inclut la gastronomie. Mmh. Donc, voilà, c'est... C'était quoi ton repas préféré dans ce resto? Ah, ben tenez-vous bien. un des mets qui est très raffiné, c'est les sauterelles sautées. Mmh. Alors, ils font un taco avec des sauterelles sautées, une petite sauce épicée. Et évidemment, ça, pour nous, c'est un peu toujours un choc quand on se dit des sauterelles, mais voyons. Mais non, ça c'est très bien préparé, c'est frit, puis on voit pas... On voit rien, là. Est-ce que tu mélanges avec de la viande normale ou c'est vraiment juste des sauterelles? Non, c'est vraiment un taco de sauterelles sautées. C'est vraiment délicieux. C'est assez étonnant. Il y a aussi un truc que j'ai pas goûté, par exemple, mais ils font des mets avec le verre blanc de l'agave. L'agave, qui est la plante avec laquelle on fait la tequila. Alors, la mezcal aussi, c'est ça? Le mezcal aussi. Ouais. Et sur la feuille verte, il y a un verre blanc qui, ouais. Lorsqu'il est frit, est délicieux. Évidemment, ça semble un peu étonnant. Mais non, c'est très bon, c'est plein de protéines. Et ça, disons que c'est des choses un peu audacieuses. Mais évidemment, il y a tout le reste. Là. Ils font beaucoup de plats mijotés, par exemple de l'agneau. Ils creusent un trou, un peu comme les Marocains, là, un trou dans le sol avec de la cendre. Et ils enterrent ça, puis ça cuit lentement pendant 12 heures. Alors évidemment, pas besoin de vous dire que c'est absolument délicieux. Alors ça, c'était mon dernier... Mon dernier voyage au Mexique. Mais depuis ce temps-là, je suis bien de retour à Montréal. Et puis, je vais en parler plus tard. Je me suis amusé à voir beaucoup de choses. Et comme d'habitude, pour moi, la culture, ça inclut la gastronomie. Alors, je vais parler aussi de bouffe. Ah,
Excellent. Alors voilà, mais je suis bien de retour à Montréal, puis Montréal a beaucoup à offrir comme d'habitude, et j'ai beaucoup de choses à mentionner. Là. Excellent. Très bien. Tu veux t'attendre plus tard ou tu veux... Non, écoute, puisque je parle de bouffe, allons-y fort. Il y a Maître Glacier, on est chanceux maintenant, on a des Français qui connaissent bien la cuisine, qui nous arrivent dans le plateau Mont-Royal. Alors, on a la chance d'avoir Maître Glacier qui s'appelle Jean-Marc Guillot, qui a gagné, tenez-vous bien, il est champion de la Coupe du monde de pâtisserie. Hein, c'est quand même... C'est pas rien. Que moi, j'ai un titre comme ça, ça m'impressionne. Et il fait des sorbets et des crèmes glacées. J'ai eu la chance de goûter à quelques-unes. Alors, je vous le dis en mille, c'est comme un poème. Parmi ces 10 sorbets, il y a framboise, litchi et rose. Il y a aussi fruits de la passion et romarin. Et parmi les crèmes glacées, il y en a une aux bananes flambées. Non, mais ça s'invente pas. C'est dur flamber de la crème glacée, mais ça... Non, tu peux pas inventer ça, tu sais. Non. Alors, donc, on a la chance d'avoir ce maître et c'est franchement délicieux. Il est situé où exactement, Il est situé à quelque part dans le plateau. Je n'ai pas son adresse, mais si vous allez sur Internet, ça s'appelle essencemaîtreglacier.com. Et il y a, même ses pots, ça ressemble à des pots de crème. Là. C'est magnifique. Alors, dans un autre ordre d'idées, il y a le prix de l'action culturelle de Montréal qui avait lieu récemment, il y a 2 jours, à Vitrine 2, donc coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Et le récipiendaire d'un prix de 2 500 $ a été Pierre-Paul Savoie, qui est quand même bien connu à Montréal dans le domaine de la danse, qui est directeur d'une troupe PPS Danse depuis 25 ans. Alors, c'est une belle récompense. Alors, il y avait tout le gratin là, de la culture de la ville de Montréal qui était là, et c'était fort agréable. Et Chantal était là, d'ailleurs. Ah, OK. On va voir son commentaire dans quelques minutes. Là. Elle arrive, là. Chantal nous arrive bientôt. Dans un autre ordre d'idée, j'aime bien découvrir des chanteuses qui sont peu connues, mais qui ont beaucoup de talent. En voici un cas. Elle s'appelle Sarah, que j'ai eu la chance d'entendre au Petit Outremont, qui est une... Pour ceux qui ne le savent pas, le Petit Outremont est une salle très intime, très, très agréable, qui n'est pas le Grand Outremont, la grande salle avec les fauteuils, mais une petite salle sombre avec des chaises qui fait penser aux anciennes boîtes à chansons au Québec. Alors, j'ai eu la chance de l'entendre et elle fait ses compositions. C'est Sarah quoi, son nom? C'est Sarah. OK, c'est son nom d'artiste. Ouais, okay. Sarah avec un H. Et... Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a une voix qui se prête parfaitement pour chanter Barbara. OK. On se souvient de Barbara. Elle a fait son lancement dernièrement. Hein? Oui, voilà, j'étais là. J'ai reçu son kit de presse. On va l'avoir ici au compte à rendre de toute façon. Bravo, parce qu'elle a beaucoup de talent. Elle chante Barbara merveilleusement au piano. Et je vous la recommande fortement. Donc, le Petit Outremont, très jolie salle dans Outremont, évidemment. Alors, si on continue comme ça, évidemment, la culture, ça inclut aussi les Harley-Davidson et les Ferrari. On a eu des activités fort intéressantes sur la rue Crescent. Et il y a l'agence de communication Torquia qui... Il faut dire Torquia, c'est italien, il ne faut pas dire Torchia. Oui, hein, sinon ça sonne pas pareil. Faut pas plus ambigu. Faut pas faire l'erreur. Alors donc, Torquia est d'origine italienne. Et il y a une gentille dame qui s'appelle Sarah Cope Corbeil qui organise tout ça, qui est responsable des communications. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un tour guidé là, de la rue Crescent. Et c'est fort intéressant. Parce qu'au niveau musique électronique, DJ, il paraît qu'on a parmi les meilleurs au monde. À Montréal, oui. Et puis ça, je peux vous le dire. pour ceux qui sont fervents, moi, je ne suis pas connaisseur de musique électronique, mais Jennifer... Moi, oui, je suis là 3 fois semaine dans une soirée quelconque électronique à Montréal. Alors, Jennifer, c'est tout sur la musique électronique? Non, je ne sais pas tout, mais j'en sais un petit peu. Mais il paraît que... Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller sur la rue Crescent. Non, je ne suis pas allée pour festivités ce week-end. J'ai été accaparée par le beau pique-nique électronique ce dimanche. Et puis, T'étais quand même dans l'électronique. Oui, oui. Puis j'ai entendu la F1 tout le long. Ah! J'étais quand même là. En arrière-plan. Il faut dire qu'on les entend beaucoup. Alors, il y avait des petites œuvres d'art comme, par exemple, une Alfa Romeo jaune. Ouh. Ah. Nice. C'était vraiment... Puis il y avait un concours de Harley-Davidson modifié. Enfin, c'était très culturel, tout ça. Mais tu sais, on a toute une différence dans tout. Ouais. Il faut parler de tout.
Les Alfa Romeo, c'est vraiment de l'art. Là. C'est des, absolument. C'est des œuvres d'art roulantes. Ouais. Moi, ben, je, ouais. Cette voiture-là, je la mettrais dans un écrin, puis je l'ouvrirais là, comme un bijou. Ben, je m'en rappelle, un des premiers festivals d'art érotique, une des œuvres qu'on voulait, c'était quelques voitures à l'entrée, mais ils ne fitaient pas dans le monte-charge. Ah oui. Parce qu'on avait appelé, c'était Ferrari, je pense, là, puis on était censé nous emmener deux petits chars en avant. Puis, ouais, on ne l'a pas fait encore. Mais ça va venir un jour dans le festival. On va avoir des beaux bijoux comme ça. Festival de Repentigny, Urbain de Repentigny, il y avait un groupe qui s'appelait les Elbon Epcats, qui faisait des trucs, qui faisait du rockabilly. Il y avait des danseurs des années 50. Il y avait des peintes live, OK, entre autres. Puis en plus, OK, des voitures qui passaient devant. C'était hallucinant. Ouais. Moi, je suis une fille à char, fait que j'aime bien ça. Une fille à char, ben écoute, c'est une révélation, hein? Tu sors du placard. Oui, pour vrai, mais c'est parce que ça vient dans la famille. Ma famille était locataire et propriétaire de les 8 pistes de course au Québec. Ah, je savais pas. Donc, dans les années 70, ma famille était vraiment char de course. Ah, Gilles Villeneuve et compagnie, ça faisait partie du clan de ma famille, là. Tu devrais avoir un T-shirt « Jennifer, la fille de char ». OK, c'est ça. Car girl. D'après les réactions que j'ai eues en studio, ça n'a pas passé ma suggestion. on va trouver une solution. Okay. Quelque chose qui ressemble. Alors, on continue d'être créatif. j'ai vu aussi de la danse. Ça s'appelle Nuclear Sky, The Experiment. Donc, une troupe qui était sur la rue Henri-Julien. Vous savez, à l'ENAP, sur Henri-Julien, 4750 Henri-Julien, il y a un auditorium, un théâtre intéressant. Et c'était une troupe qui a fait Title 66 de Janis Kirchner. Et c'était très intéressant, donc sur un thème qui n'était pas vraiment léger, explorer les conséquences déshumanisantes de la guerre et la technologie dans la société contemporaine. Oh, ça paraît lourd. Alors, c'est mieux de manger de la crème glacée avant d'y aller. Essence. Oui, mais bon, ceci dit, beaucoup de talent, très intéressant, et ça se passait... De la danse, c'est curieux, de la danse en anglais, parce qu'il y avait quand même un peu de texte et ça s'est passé en anglais, ça se passait très bien. Donc, on pourrait passer à une petite pause musicale. On va te donner le temps de respirer un peu. Oui, me donner le temps de respirer, puis je vais continuer avec mon menu à la carte. Voilà. Excellent. Ben, je vais vous faire écouter de quoi de différent, c'est les Gitans de Sarajevo. C'est du Balkan Dance, puis je connais pas ça. Marc-André, il nous présente ça aujourd'hui, c'est Rovin. Oui. Fait que j'ai hâte d'entendre ça. À tantôt! Beso nero vena na no corcuri. Beso nero vena. Beso nero vena na no corcuri. Bessanero vena, ei rovena, bessanero vena, bessanero vena, ei rovena, bessanero vena, ei rovena, bessanero vena, bessanero vena. Bessanero vena, ei rovena, bessanero vena, ei rovena, bessanero vena, bessanero vena. Thank you.
Bechanero Vena, hey Rovena, Bechanero Vena, Bechanero Vena. Bon, on est de retour. Merci Marc-André pour cette découverte. C'était très intéressant et le fun un matin. Ça fait changement. Je ne connaissais pas ça. J'aime bien ça. Donc, bon, on continue. Ben, on va dire bonjour à Chantal. Oui, il me joint à vous. Que, désolée de t'avoir mis dehors. Mais pas mis dehors. Laissé dehors. On l'a fermé la porte et être comme « Je veux rentrer! » J'étais comme « Non! » Oui, oui, mais je suis enfin pour pouvoir discuter avec mon collègue, Alain Clavet, oui. Notre collègue Alain Clavet. C'est surtout ça qui me torturait à l'extérieur. Ah, mon Dieu, mon Dieu. J'ai eu un contretemps, désolé, j'arrive. Ben oui, tout est beau, tout est beau. On est très contentes de te voir. Mais moi de même, c'est réciproque. Je n'ai pas de privé d'aucun plaisir. Donc, on a parlé de bananes flambées, de sauterelles, tacos et de toutes sortes d'autres affaires. C'est ça, c'est transpète tout plein de plaisir. Ça, voilà, c'est ça. En ondes. Et que tu vas poursuivre avec. Oui, exactement. Ah, ben oui, ben écoutez. Ouais. D'autres tentations? Oui, absolument. À l'Auberge Saint-Gabriel. C'est une très belle place, ça. Qui est un très bel endroit. C'était en fait sous les combles, en haut, qui est un très bel immeuble. À l'Auberge Saint-Gabriel, il y a un projet nouveau, peut-être, c'est pas très connu. Il y a un projet de collaboration entre le Cirque du Soleil et Beau Dommage. Ah, c'est quand oui, même pas rien, deux parler. Grandes institutions. Et ils font une comédie musicale et ça sera inauguré au mois d'août à Trois-Rivières, en fait. Mm-hmm. Et c'est à la collaboration de la coopération de Trois-Rivières. Parce qu'à Trois-Rivières, il y a un nouveau projet absolument magnifique. Il y a un nouveau quartier qui se développe près de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. Vraiment un endroit extraordinaire. Et ils sont en train de construire un théâtre en plein air, en fait, où il y aura 4000 places assises et 4000 autour. Et tout ça, tout ce beau monde-là sera là. Donc, le Cirque du Soleil est Beau Dommage et ça va inaugurer ce nouveau théâtre qui va être très beau. Donc, ça, c'était une belle rencontre. Et toute l'équipe de Beau Dommage était là, les gens du Cirque du Soleil. Alors, c'était bien agréable. Dans un autre ordre d'idée, pour ceux qui sont à Montréal, vous savez que le boulevard Saint-Laurent est fermé pour 11 jours, ce qui est quand même assez long, et c'est le Festival de la Murale. Et il y avait une inauguration à la station 16. Et est-ce que tu y as été, Alain? J'y étais. Eh bien, j'y étais. Comment ai-je pu te voir? J'étais, te croiser? J'étais il y avait 2 000, 3 000 personnes en même temps, c'est dur. J'étais là, et il y a des artistes américains fort intéressants là-bas. Et c'est pas parce que c'est des artistes américains, mais le hasard fait que dans les œuvres, il y a beaucoup de fusils. Mais bon. Mais ça, il y a c'est des... une section quand même. Ouais, il y a des trucs intéressants. Ouais. Il y a des artistes qui ont beaucoup de talent. Alors, ça vaut la peine d'y aller. Ça vaut la peine d'aller voir les murales. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a certaines murales qui sont éphémères. Donc, après 2 ou 3 ans, on repeint carrément le mur et on fait une murale par-dessus. Je sais, je trouve ça dur. Et ça, c'est un peu... Ça m'a étonné parce que voir disparaître une œuvre d'art, c'est un peu crève-cœur. Mais enfin, peut-être qu'il manque de murs. Ben. Enfin, c'est peut-être ça. Bon. Les murs sur la main sont rendus vraiment... C'est ça, mais il faudrait peut-être changer de convoité. Convoité. C'est très beau. Moi, je proposerais de construire de nouveaux murs pour faire des, pour faire des murales. Mais ceci dit... Ou de changer de quartier, de chercher d'autres murs. Il y en a plein des murs, là. Ah, ben voilà, une excellente idée. Ceci dit, Alain, vous savez que jusqu'à les murales sont en train de se construire jusqu'au 14e jour. On va voir des murales apparaître de oui, jour en jour. Absolument. Alors, voilà, j'imagine que c'était ton autre point. Non, c'était pas mon autre point. Quelque chose d'un petit peu, un clin d'œil. C'est jusqu'au 14 juin, donc, mural. Jusqu'au 14 juin. Un clin d'œil. J'étais un événement propriété du Vieux-Montréal. Puis imaginez-vous que la ville de Montréal a inventé un nouveau vélo pour arroser les fleurs. Alors, il faut quand même le faire. Je pensais que le vélo, c'était une vieille invention, mais ils ont inventé un nouveau vélo avec un réservoir puis une pompe. Pour gaspiller de l'eau pour, tout le monde. Pour arroser les fleurs dans le Vieux-Montréal. Alors, vous voyez, c'est quand même... Il y a de l'avenir à Montréal. Pour passer... Oui?
C'est intéressant. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est j'ai vraiment un peu tendance à penser comme Jen, un peu de gaspillage d'eau quand même, peut-être, qui s'opère en même temps. Ah, j'espère qu'on a le piton qu'on peut passer pour la faire sortir. C'était... Il reste à voir. Voilà, c'était un éditorial. Une opinion politique. Attendez pas que je me remonte les manches, moi, là, puis que je me fâche. Ah, ben, soyons prudents. Alors, je vais être prudent dans la suite de non, mes propos. Non, fais juste rire, hein, inquiète-toi pas. J'ai assisté à une messe... ben, voyons, Chantal. La messe poétique de Yvon Jean, notre ami Yvon Jean. Oh, ah, voilà, okay, la messe poétique. Là. Alors, j'ai été au bistrot de Paris, mm-hmm. le chic bistrot de Paris, sur la rue Saint-Denis, où il y avait des lectures de poèmes. Et c'est fort sympathique parce que les gens, des poètes du cœur, n'est pas nécessairement des gens qui ont publié, mais des gens qui vont là et qui vont au micro courageusement et lisent leur poésie. C'est franchement intéressant. Et une fois par mois, au bistrot de Paris, pour aller voir notre ami Yvon. C'est quand Jean. Ça se passe, ça, d'habitude? Une à fois chaque par mois, je pense que c'est le dernier vendredi du mois. Alors, il y a un commentaire. Attendez un instant, je vais donner le micro à Kim, qui va pouvoir donner un commentaire plus avisé. C'est, je pense, chaque premier lundi du mois. Ah, okay, le premier, bon. Chaque premier lundi du mois, merci. Et avec Christian Duchamp-Gauthier qui remplace M. Jean maintenant. Bon, très bien, bravo, c'est excellent. Alors, dans un autre ordre d'idées, j'ai été voir un film, La famille Bélier. Ah, ben. Quelle est Chantal? C'est moi le micro. Alors, on t'écoute, Chantal. Continue, c'était je pense. C'était toi d'en parler, sauf que moi, je ne peux que recommander parce que j'adore chanter. Je ne sais pas si vous, je suis sûrement pas la seule. J'ai fait partie de d'innombrables chorales. Alors, pour ceux qui aiment chanter, c'est une grosse recommandation. Absolument, parce que oui. La fille chante, mais ce qui est vraiment un peu étonnant, très étonnant. Un peu, et on s'est croisés ce soir-là. On hein? s'est croisés ce soir-là. qui est un bon, peu, finalement. C'est pas ça qui était étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un peu surréaliste parce que... Le couple, père et mère, ils sont sourds. Et ce qui est étonnant, c'est que le père se présente aux élections. Alors, il faut quand même le faire. Ben, alors, moi, il n'entend pas tout ce que les autres disent de lui. Voilà. Alors, c'est le premier politicien qui avoue ne pas écouter ses électeurs. Elle est bonne. Alors, donc, c'est un film français bien filmé, intelligent. Les acteurs sont de grande qualité. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Souvent, les films français, parfois, vont un peu dans le sourire facile. Mais dans ce cas-ci, très, très, très bien. Un bon scénario, très original et touchant, en fait. Ben, j'abonde dans ce sens. J'ai presque versé une larme. En tout cas, moi, j'ai pas pu. J'ai pleuré abondamment. Oui. Alors, Chantal a pleuré. j'ai essayé de résister, mais c'est impossible. on vous recommande. Ouais. On était voir ça au cinéma Beaubien, qui est un beau cinéma de quartier sur la rue Beaubien. Mais ça ne fait pas dans le gros sentimentalisme. Non, c'est intelligent, c'est bien filmé, c'est pas cucul. Ça nous arrache des larmes. C'est pas cucul la praline, c'est bien fait. C'est toujours un peu avec un demi-sourire, c'est superbe. Et bien sûr, la musique de Michel Sardou, toujours. La musique de Sardou. Présente du début à la fin. Alors, qui est excellente. Décrite comme un monument par le professeur. Je rate jamais une occasion de parler de Chloé Sainte-Marie, parce que Chloé, qui est très généreuse dans le cadre du Festival de la poésie, a donné un spectacle complet, gratuitement, au Centre culturel du Mont-Royal, là, devant le métro Mont-Royal. Et toujours la même, Chloé, très généreuse, avec ses deux très bons guitaristes, son livre « À la croisée des silences ». Et c'était franchement un très, très beau moment de sensibilité, de poésie. Et ça me donne l'occasion de parler du Festival de la poésie. Ah oui, alors, une fois par année, il y a une tente qui s'érige près du métro Mont-Royal, une grande tente blanche. Et puis, il y a une trentaine d'éditeurs qui sont là de tout le Québec. Et on a l'occasion d'entendre de la poésie, d'acheter de la poésie. J'ai acheté quelques livres, dont... des livres de poésie qui donnent le pendant français-espagnol. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant de lire une anthologie de poèmes du Mexique avec la traduction en français. Mm. Alors, c'était vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'on est rendu à de la musique? Ah, notre régisseur est très heureux. Ben, il te reste un peu quelque chose à dire? J'en profite pour parler de l'exposition sur les Aztèques.
que je vous recommande chaleureusement. C'est à Pointe-à-Caillère. Et on s'est croisés à nouveau, Alain. On s'est croisés. On s'est croisés tout le temps. On se croise. Bon, à la conférence de presse. D'ailleurs, il commence à y avoir des rumeurs en ville. Là. Oh, est-ce que vous allez nous donner des détails de ces rumeurs? On va bientôt faire équipe, je pense. Ah, ben, s'il y a un mariage, on va vous l'annoncer. Mariage de chroniqueur, bien sûr. Mariage de chronique. Pas mariage chronique, mais enfin, oui, pas. Donc les Aztèques et le fait est que dans un de mes derniers articles sur la ville de Mexico, j'avais parlé du musée d'anthropologie et des Aztèques et des Mayas. Et ça m'a fait un suivi fort intéressant. 24 heures après mon retour du Mexique, j'allais à l'exposition sur les Aztèques à Pointe-à-Caillère. Et c'était vraiment bien. Il y avait le tout Mexique qui était là à Montréal, l'ambassadeur du Mexique. Du Canada, il y avait là M. Montelego, qui est le promoteur du Mexique à Montréal. Alors, je vous le recommande vraiment, là, il faut aller voir les Aztèques. Si je peux me permettre, oui. Moi, je suis historien de formation. Ouh. Et à chaque fois que je vais au musée de la Pointe-à-Caillère, je suis toujours étonné par la qualité des pièces qui sont présentes. Je n'ai pas encore été voir l'exposition sur les Aztèques, mais juste la dernière exposition sur les Grecs. Là, je veux dire, il y avait un masque, là, le masque d'Agamemnon. C'est comme un vieux masque qui date de 3000 ans. Moi, je les ai étudiés dans les livres. Il est en Grèce d'habitude, ce masque-là. Je pensais jamais avoir la chance de le voir en vrai. T'sais. La couronne de Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. Oui, c'est ça. Des fois, on peut se dire, c'est comme une exposition, il va y avoir des statues un peu. Des statues qui sont pas vraiment de. Ben, pas, qui sont pas de valeur, mais qui sont pas vraiment. D'époque ou l'histoire vraiment profonde. Là. Et moi, j'ai vraiment sorti de là. Moi, quand je vois des belles œuvres comme ça, je flotte un peu. Après, je suis comme dans une zone assez particulière. Je sais pas si l'expo sur les Aztèques va être aussi intéressante. Elle est extraordinaire, franchement. Elle est très belle. Ah, ben, je vais aller voir ça. Je la recommande, moi aussi. On est très chanceux d'avoir. Minimum, par contre, une bonne heure et demie. Oh oui, oh oui, puis je vais retourner en fait, oui. Faut y aller. Et aussi Angélique Duruisseau, qui a publié, qui a fait un nouveau disque à l'occasion du 100e anniversaire de naissance d'Édith Piaf. Et est-ce qu'il y a de particulier, parce que Piaf, on l'a beaucoup entendu, mais elle a réarrangé la musique, alors c'est du Piaf à la bossa nova, à la salsa. C'est assez étonnant. Et Angélique, c'est une grande voix de Montréal et du Québec, je dirais. Et donc, il faut acheter son nouveau disque. Et lorsque vous avez envie de vous détendre un peu, à la SAT, le mardi à 21h, en plein air, gratuitement, il y a des films. Oui, ouais. C'est ça, j'allais en parler. Alors, allez-y, avec un jour, peut-être un mardi de l'été, il n'y aura peut-être pas de pluie. Alors là, espérons. Ouais, mardi passé, ça n'a pas été trop, trop bon. J'ai voulu y aller, mais ça n'a pas marché. Là, on s'installe à côté de la SAT et on profite d'un beau film. Et un cinéparc. Je vais dans le léger. Il y a le mondial de la bière au Palais des Congrès. Il ne faut pas rater ça. Le mondial, c'est pour provincial, c'est pour national, c'est mondial. Un must chaque année. Alors, il faut y aller, il faut goûter à tout, toutes les couleurs de bière, et c'est fort agréable. Ah, mais là, tu sors à quatre pattes, tu dis, toutes les couleurs de bière, pas trop. Il y a les avec modération. En petite quantité. Ça après doit ça... être un peu moins pire au Palais des Congrès, parce qu'avant, le mondial était dans extérieur. L'ancienne gare Windsor, puis je me rappelle, dans la cour en arrière, à côté du Centre Bell, des fois, les choses devenaient un peu olé-olé, il y avait roll. Du monde en maudit. Là. Fait que au Palais des Congrès, j'imagine, ça doit être un peu plus organisé. Oui, ouais, sûrement. Alors, puis évidemment, ça donne à côté du métro. Donc, après la bière, vous prenez le métro. Oui, important. Le Centre Cigale, il y a Dudley Kravitz de Mordecai Grischler, une comédie musicale qui commence cette semaine. Il ne faut pas manquer ça. Et dans les choses qui s'en viennent dans le futur, il y a l'African Fashion Week qui commence le 12 juin. Il y a une exposition Life is Good à la Galerie D. Et il y a Marc Hervieux dans le champ classique au Jardin botanique le dimanche 14 juin à 16h. C'est gratuit. Alors, voyez, l'embarras du choix, vous pouvez manger, rêver et vous amuser pour peu de frais à Montréal. Et croiser Alain. Vive la culture. Et Chantal. Il y en a des choses à faire. Et on se donne des rendez-vous furtifs. Voilà. Mais merci Alain.
Bon, si vous avez pas tout compris, on va être en répétition sur Facebook. Vous allez pouvoir tout entendre ça. Et puis, on va pouvoir... parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails là-dedans. T'as un gros, gros varia aujourd'hui. Ah, j'avoue que les loisirs, ça m'occupe beaucoup. Ouais. Donc, on passe en pause musique. Donc, on passe avec The Resignators. Le titre de l'album, See You in Hell. Un peu intense, mais bon, c'est quand même intéressant. La toune, ça s'appelle... Oh, j'avais lu Tacos. Je pensais qu'on revenait avec tes tacos. Non, c'est Booze and Tattoos. Aux sauterelles. Ah, aux sauterelles. Non, c'est Booze and Tattoos. On vous revoit après la chanson. Bon, on est de retour. T'as pas trop mal au cou, Marc-André, depuis tantôt qu'il danse, là, comme... Moi, vous le voyez pas en studio, mais... Non, je pense qu'on l'a même pas enregistré. On aurait dû l'enregistrer pendant la pause. Non, c'est très bon. On a été du gypsy à du ska. On va voir ce qu'on va vous présenter tantôt. On vous dit pas ça tout de suite. Bon, pour cette deuxième semi
semi-deuxième, troisième partie, on peut dire. Ben, je pense que Jean-François aurait plein d'affaires à nous parler, passé, présent, futur. Oui, et... oui. Ben, attendez, je vais juste arrêter de danser sur la tune de ce parce qu'elle était comme vraiment bonne. Oui, donc, pour ma chronique... on est content de te retrouver, Jean-François. Ah, oui. Un petit bout. Oui, non, beaucoup de... Beaucoup de trucs, hein? Beaucoup de trucs, bien occupé. Fin d'année scolaire, hein, je pense. Fin d'année scolaire. Il reste deux semaines après ça, on va plus te voir un peu, là. Oui. J'ai l'intention d'être... Même, vous allez me trouver fatiguant. Moi, je ne pourrais jamais te trouver fatiguant. Oh, t'es drôle. T'es une J'adore perle. Mon équipe, qu'est-ce que je vous dise? Je ne vous vois pas assez souvent, en fait. Mais là, maintenant, vu qu'on a une heure, on va pouvoir se voir plus longtemps chaque fois qu'on se voit. Ah oui. Et peut-être même plus souvent. Ah oui, mais moi, c'est sûr. Là, l'été s'en vient, j'ai plein de projets. Là, je t'en parlais un peu tout à l'heure. Ouais. Mais donc, je vais commencer par faire ma chronique. Donc, événements passés, événements présents et événements futurs. Donc, dans le monde artistique montréalais. Donc, l'événement passé, je voulais vous parler un peu du show de Melsa Montagne au Divan Orange. Donc, je suis allé voir ça vendredi dernier. Moi, demain. Oui, j'ai manqué ça. Là, aussi. Je voulais vraiment y aller, mais je ne pouvais pas. Je suis arrivé tard. Ah oui, t'es arrivé tard. Moi, je suis arrivé de bonne heure. J'avais une pièce de théâtre à Châteauguay. D'habitude, c'est le contraire. Oui, c'est ça, mais je n'avais pas le choix. J'allais voir une pièce, d'ailleurs, qui est super intéressante. Là. Je ne peux pas vous redonner le titre, mais c'était l'histoire de gens qui se réveillent le matin et qui ont perdu leur frigidaire. Et ça change complètement leur vie. Donc, c'était un peu humour absurde, là, mais bref. C'est comme la joke d'un temps, ton frigidaire marche-tu, mais est rendu devant chez nous? Oui, mais c'était vraiment, c'était la fin du monde. Et mon Dieu, il y a plein de bouffe, ils veulent pas manger. De la bouffe sèche et froide, comme sèche et chaude. Là, c'est comme, donc, la vie sans frigo, c'est un cauchemar. Ah, mais hein. Moi, j'essaie de m'imaginer sans frigo et ce serait comme dans The Walking Dead. Là, c'est comme vraiment apocalyptique comme scénario. Là. C'est vrai, juste un frigo, ça fait toute la différence. Oui, certainement. Même vide. Mais même bon. Vide. Donc, il y a tout ça pour dire que je suis passé au show à Melsa quand même avant d'aller voir cette pièce de théâtre un peu bizarre. Et donc, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé les nouvelles œuvres qu'elle a faites. Divan Orange, c'est quand même grand, là, vous savez. Puis en tout cas, moi, je peux vous dire, en tant qu'artiste peintre, c'est dur de vraiment remplir tous les murs de cet endroit-là parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Est-ce que les œuvres sont encore là? Oui, bien oui. D'ailleurs, tout le mois. Jusqu'au 30 juin, en fait, les œuvres sont présentes. Et c'est sa nouvelle série, là. Moi, mais ça, c'est une bonne amie à moi. Et ça faisait comme 2-3 semaines qu'on s'était pas vus. Et je dois vous avouer qu'il y a comme la moitié des toiles que j'avais pas. Depuis qu'elle a déménagé série, de l'atelier, on la suit moins un peu. Mais elle a beaucoup produit ces temps-ci, là. Et donc. Moi, c'est une série d'œuvres qui étonne, même. Oui, mais c'est beaucoup dans des teintes de gris, là. Donc avant, c'était vraiment beaucoup axé sur. Mais à l'atelier, là, la plupart des artistes qui sont là, soit que ça travaille beaucoup dans les teintes de gris ces temps-ci, que ce soit elle, ou Morbidic, ouais. Dom des Biens, Sophie Wilkins, là, tout le monde semble assez dans cette tangente-là. Mais Melsa a amené ça à un autre niveau, donc c'est vraiment très monochrome. Et donc, c'est encore dans sa série de personnages là, un peu qui ressemblent à des poupées et tout ça. Mais qu'est-ce qui est original là-dedans, c'est qu'avant le show, elle a fait un shooting photo avec un de ses amis, là, et donc elle s'est représentée elle-même comme ses personnages dans ses toiles. Donc c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien. Puis il y a toute une nouvelle thématique aussi, hein, qu'elle explore à travers, je pense qu'il y a beaucoup question de son vécu à elle avec son frère. Oui, d'ailleurs, qui était présent, donc je l'ai rencontré. Oui, des jumeaux, t'as mis présent. C'est vrai, on avait parlé de... Oui, tout à fait, mais aussi elle a vécu quand même des choses difficiles depuis un an ou deux, puis justement, ses œuvres viennent chercher un peu, si vous voulez, le désespoir qu'elle a ressenti ou le vide intérieur, là. Donc on le voit bien, ça, c'est quand même assez présent dans ses œuvres. Je dirais que c'est pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment fort. C'est de l'art primal, j'irais jusqu'à dire. Là. Elle y va avec l'instinct. Moi, je l'ai souvent vu travailler, puis c'est vraiment comme ça que ça marche. Là. Donc, c'est pas de l'art rationnel où c'est vraiment elle prend ses émotions et elle les met sur ses tableaux. Là. Je sais que c'est un cliché un peu de dire ça, mais dans son cas, c'est vraiment vrai. Là. Ouais. Et ça paraît que sa série elle a vraiment changé. Avant, c'était comme des personnages, ici, ça, aléatoires, un avion, une petite fille, une ci, un ça. Puis là, c'est vraiment... Quelque chose un peu de narratif même. C'est vraiment... Une histoire de vie qui se raconte. Oui, tout à fait. Ouais. Elle a complètement changé. Puis je dois avouer que j'adore cette nouvelle série. Moi aussi, je trouve ça très intéressant. Puis elle s'intègre beaucoup dans ses œuvres. Puis c'est vraiment
vraiment très intéressant pour ça. Donc, c'est jusqu'au 30 juin. Et aussi, le génie de Melsa là-dedans, c'est que genre le divan orange est vraiment collé sur la rue Saint-Laurent. Et ces temps-ci, comme Alain a mentionné tout à l'heure, c'est le festival mural. Donc, si vous passez, vous allez au festival, arrêtez-vous au divan orange, allez jeter un coup d'œil. Donc, c'est vraiment autre chose que ce que vous allez voir dans les rues, là. Donc, c'est... Le festival mural aussi, c'est super intéressant. Là. Il y a plein d'activités, il y a des conférences, des films, il y a les terrasses à l'extérieur. Vous pouvez voir les artistes peindre en direct sur des gros murs. Et moi, comme on en parlait tout à l'heure, je suis vraiment un fan de ce festival-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait une première cette année, une foire murale. J'ai hâte de voir ça, mais c'est fini. Elle est déjà faite, hein, c'est ça. Mais vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. J'ai un album photo sur la foire, mais c'est une première foire. Puis c'est étonnamment que ça regroupait ça réunissait différents regroupements d'artistes, autant dans l'art conceptuel, l'art plus commercial, l'art underground. C'est étonnant de voir ça. Là. Oh, ouais, il y avait un beau ralliement, parce que c'est la rue Saint-Laurent qui initiait tout ce beau monde-là. Et d'ailleurs, moi, je suis un gros fan de la Maine. Je me promène là depuis des années, puis ça a vraiment changé. Le festival a changé le look de la rue, vraiment. Là. Quand on se promène, on voit plein d'œuvres. Moi, je fais tout le temps des nouvelles découvertes. Moi, je suis un grand promeneur urbain. Fait que des fois, c'est pas juste sur Saint-Laurent aussi. T'sais, des fois, c'est comme sur les rues qui sont un peu parallèles. Puis il y a plein de choses à découvrir. Puis avec les années, d'après moi, ça va juste devenir meilleur. Comme tu disais tout à l'heure, Jen, peut-être aussi, là, tu sais, si les organisateurs nous écoutent, là, tu sais, il y aurait peut-être d'autres quartiers aussi qui pourraient bénéficier de ça. Absolument. Puis même continuer sur Saint-Laurent. Plus au nord, ramener un peu de couleur dans la ville, un peu en général. Dans notre coin ici, les studios, ça serait incroyable. Avant mon gros... en nord. Ah oui, oui. Faire un équilibre est-ouest. Ouais. Ça serait super. Il y a plein de possibilités avec ce festival-là. Je pense que c'est un petit peu de misère, là, le festival. Un petit peu de plomb dans les ailes, malheureusement. Ah oui? Bon, ben ça pourrait on les relancer de Montréal, un peu. Ouais. Ben, la compétition... Est... Non? Non, parce qu'on a changé de date. OK, parfait. Ah, oh, c'est bon. OK. Bon. Oui, mais j'allais justement en parler tantôt. Ah, bon, mais c'est bon courant. OK, parfait. Donc, si vous allez vous promener au Festival mural sur Saint-Laurent du 4 au 14 juin, passez au Divan Orange pour aller voir les œuvres à Melsa Montagne et régalez-vous de ce festin visuel. Donc, mon événement présent, ce soir, à la Fresh Paint Gallery, il y a l'événement Art Attack numéro 11. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est où la Fresh Paint Gallery? C'est au 221 rue Sainte-Catherine-Est. C'est de billets pratiquement avec les foufounes électriques. Et donc, la Fresh Paint Gallery, c'est quand même une galerie qui est présente depuis assez longtemps à Montréal. Donc, le fondateur, Sterling Downey, qui a travaillé avec le Café Graffiti, c'est vraiment peut-être une des personnes qui encourage le plus le street art à Montréal. Moi, j'ai déjà exposé là-bas dans le temps qu'il était dans les anciens édifices de la Patrie. Donc, c'était probablement une des galeries les plus cool que j'avais jamais vues de toute ma vie. Là, il y avait une vibe vraiment, je dirais, berlinoise, là, avec des vieux murs, là, vraiment... tout défait, puis les œuvres qui sont accrochées là-dedans comme des joyaux dans un peu une ruine, si vous voulez. Les nouveaux locaux du 221 Sainte-Catherine sont un peu plus propres. C'est vraiment des anciens appartements qui ont été rénovés pour faire des galeries. Ça a son charme également. Et ce show-là, Art Attack, c'est un show qui se fait tous les trois mois. Et les artistes qui sont invités en fait à décorer les murs de la galerie. Donc, c'est pas vraiment des œuvres. Ah oui, j'étais allée la dernière fois. Il y avait une œuvre. Il y avait peint sur le mur, puis il y avait l'œuvre devant. Voilà. Puis ça faisait un petit 3D, puis c'était la suite de l'œuvre. Ah, c'était malade, c'était ma découverte. Exactement ça. Puis c'est super intéressant. C'est à tous les trois mois que ce show-là se donne. Et il y a une ambiance assez festive, là, avec la bière et des DJ. Et donc, les artistes, comme tu disais, Jen, ils fusionnent leur style ensemble. Donc, si vous allez au show ce soir, il va y avoir une collaboration d'artistes. Ils vont peindre une œuvre sur un mur de 15 pieds par 8 pieds. Donc, ça risque d'être quand même assez intéressant. Puis, il y a plusieurs artistes qui vont être présents. Donc, quelques-uns que je connais, dont Clock Shovel, Harry Corrigan, Pascal Léo Cormier. Et donc, d'autres que je connais moins, là, comme Waxhead ou El Moutmout. Donc, il va en avoir d'autres aussi. Là. Il va y avoir une dizaine d'artistes présents. Il va y avoir comme une fusion de toutes ces œuvres-là ensemble dans la galerie. Donc, je crois que ce soir, s'il y a un endroit où vous devez être, c'est là. Ben, si vous voulez me rencontrer aussi, je vais être là. Et probablement qu'Alain et Chantal vont être là aussi. C'est grosse chance que je sois là aussi. Oh yeah! Donc, ça va être super. Ouais. Et finalement, l'événement futur à la galerie COA. Donc, samedi prochain, la galerie COA fête ses 1 an.
Donc, yeah. cette galerie-là, si vous ne savez pas c'est où, c'est au 6405 rue Saint-Laurent. Donc, il va y avoir des œuvres exclusives de 7 artistes québécois qui vont être présentées, dont Sandra Chevrier, Spazouk, Éric Godin, Éric Nadeau, Aiming for the Gut, Gaud et Lino. Donc, moi, je connais beaucoup Sandra Chevrier, juste pour ses œuvres à elle, ça vaut la peine d'aller voir ça. Donc, le show, c'est de 19h à minuit. Donc, c'est d'après moi, ça va être moins un vernissage classique plutôt qu'un gros party là, pour fêter là, un an de cette galerie-là. Il va y avoir un DJ, donc DJ Bijou va être présent. Et plein de consommations gratuites, je crois. Il va y avoir une entrée libre. Donc, pointez-vous là aussi. Ça risque d'être toute une soirée. On a très hâte. Alors, oui, oui, que d'événements enlevants en perspective, que d'événements enlevants. Alors, moi, je terminerai peut-être avec une petite entrevue avec la directrice de la galerie. Récemment, on avait interviewé le directeur de la galerie Z. Bien, cette semaine, place à la galerie LSB. Non pas LSD, mais LSB. C'est les initiales d'un nom de la galeriste. C'est tout près du Mile End, mais dans le Mile X, un nouveau quartier à la mode. C'est une galerie que j'ai découverte. C'est une suggestion de justement d'événements futurs de Jean-François qui me parlait de la LSB. Il y avait une artiste que je connaissais, donc je me suis rendue là. Et voilà, alors capsule donc avec cette galeriste qui nous présente le mandat, les artistes qu'elle représente, sa démarche de photographe et bien d'autres points. Voilà. Excellent. Fait qu'on passe tout de suite à la capsule. Je suis en visite à la galerie LSB. LSB veut dire, en fait, c'est un nom, celui de Laurie Segal Burnett, qui est galeriste de cette galerie LSB, mais non seulement galeriste, mais aussi artiste photographe. Merci beaucoup de nous présenter votre galerie, qui est quand même assez jeune, qui a 3 ans d'existence. Je commence mon 3e année ici. Je vais commencer par expliquer un peu la mission de la galerie, la mission. Moi, je suis ici, premièrement, j'ai loué le local pour faire mes projets à moi, mes projets comme photographe. J'ai plusieurs photos et je cherche toujours des manières de les exposer et de les présenter pour le public, pour moi, pour mes amis. Et deuxièmement, il y a la deuxième fonction de la galerie, c'est pour les autres artistes. Je veux représenter les autres artistes, les artistes qui sont en émergence ou qui sont prêts maintenant à exposer comme solo. Et peut-être ils ont déjà exposé, mais pas eux-mêmes, juste solo. Et ils cherchent un endroit où ils peuvent prendre cette étape importante dans leur carrière comme artiste, mais avec quelqu'un qui peut leur aider un peu. Pour moi, ça, c'est l'aspect que moi, je peux donner aux artistes. Donc, vous trouvez aussi important de faire de l'accompagnement d'artistes là, qui sont rendus au stade exposés en solo? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on va choisir ensemble les tableaux qui vont être mis dans l'exposition. On va travailler ensemble pour faire toute la publicité, pour faire accrocher, décrocher, pour toutes les choses, les petites choses qui viennent avec la planification et présenter une exposition au public. Genre deux locales dans la même bâtisse. Ça veut dire que là... Bâtisse, c'est important de le dire, situé près de la Petite Italie, hein? Oui, on est près de la Petite Italie, mais on a notre propre identité. Ici, c'est le Mile X. C'est un coin de Montréal qui est devenu tellement, tellement populaire. On a plusieurs restaurants, on a les petits cafés, on a toutes les choses très individuelles. Très tendance. On est très populaire et on est même connu, le Mille X est même connu à New York. Il y avait déjà une rédaction dans le journal de New York Times, ça fait un an, qui expliquait toute cette région et les choses qui commencent à être établies ici. Donc, comme ça peut être... Oui, c'est ça. Donc, il y a un développement fulgurant, très rapide ici, dans le Mile X. D'ailleurs, je connaissais le coin, mais pas le nom du coin. Mais c'est donc avantageux pour un artiste d'exposer ici à la galerie LSB dans le Mile X. Oui, c'est ça. Si vous me parlez justement des artistes que vous représentez, du moins brièvement. Oui, OK. Il y a quelques artistes ici à Montréal, certains qui ont déjà exposé et certains qui juste, comme j'ai dit, commencent à exposer, sont toujours des artistes au style contemporain, abstract ou pas abstract, mais avec des tableaux grands, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de force et qui donne un impact.
c'est ça. Et j'étais venue justement au vernissage, comme vous mentionniez en début d'entretien, il y avait des œuvres exposées de Nadine Bourgeois qui correspond exactement à la description que vous faites de l'étoile des couleurs, vraiment, et une facture assez brute. Oui, c'est ça. Les tableaux de Nadine sont vraiment expressifs. Expressifs, et puis on est tiré, we are drawn to them immédiatement pour les couleurs, la texture, tout ça. Même elle a son studio d'art juste à côté de moi, qui est tellement convenant pour nous deux, on travaille ensemble. Donc, elle expose dans votre lieu de diffusion et par bonheur, et plusieurs œuvres vendues lors du vernissage? Oui, c'est ça. On a vendu plusieurs œuvres, des grands tableaux, à peu près 4-5 grands tableaux, et aussi des petits tableaux sur bois. Ça a tellement bien allé, on était toutes contentes. C'était une soirée très, très, très enjoyable, et puis on a eu beaucoup de monde et beaucoup de joie ici. Absolument. Est-ce que vous pourriez nommer les noms des autres artistes que vous représentez? Oui, il y a deux autres artistes qui vont exposer le mois de juin. Le premier, c'est Nadine Aboussouin. C'est une madame qui vit ici à Montréal. Ses origines libanaises. Comme ça, les toiles, les tableaux expriment un peu la culture libanaise ici à Montréal. C'était tellement intéressant. Elle a déjà exposé ici. C'est son deuxième fois exposée. C'est tellement bien allé. Ça fait un an et demi. Et elle est prête à exposer une deuxième fois. Elle a toute une nouvelle série de tableaux. Ça sera le mois de juin, la deuxième semaine de juin. Et aussi après Nadine, on a un autre artiste, Anouk Rees. Anouk aussi, elle est ici à Montréal. Ses tableaux sont aussi pleins de couleurs et de fun, comme des choses qu'on peut mettre dans les... Parce qu'ils sont des animaux, et des animaux qui sont faits un peu comme caricatures, mais qui ont l'air très heureux, très, très expressifs. On les met au, comment on dit ça, un chalet, oui, pour les chalets. Et aussi, on fait des tableaux aussi abstracts, les tableaux qu'on peut voir facilement dans les condos, des locaux avec un gros espace, pas en plein air, mais ouvert. Vous exposez donc que des artistes femmes? Non, c'est arrivé comme ça, je sais pas. C'est un hasard? Oui, c'est un hasard. Peut-être qu'il y a plusieurs femmes au moment qui exposent, mais non. J'ai eu des demandes aussi des gens. J'ai même eu une demande d'un monsieur qui vient de Bruxelles, à Belgium, et qui m'a contacté. Moi, la galerie est aussi... j'ai un site web pour la galerie. C'est galeriedartlsb.ca. Là, tu peux trouver toutes les infos sur la galerie, la mission, les artistes qui exposent, comment s'exposer, comment demander pour une exposition, ce qui arrive, ce qui est en place maintenant, ce qui arrive, ce qui était, toutes les infos... Redonnez-moi l'adresse du site. L'adresse du site, c'est le nom de galerie. Galeriedartlsb.ca. Merci, mais on ne pourrait absolument pas terminer l'entretien sans parler de vous. Comme vous êtes une artiste, photographe, si vous me parliez un petit peu, vous présentiez brièvement votre démarche. Je pense qu'elle est très influencée par votre vécu travailleuse sociale, hein? Oui, j'imagine que oui, ça fait un peu... Photographie et sociale et... Vous voyagez beaucoup? Oui, je voyage beaucoup et depuis, ça fait 5-6 ans, je voyage avec mon mari. On voyage au pays où on fait le travail bénévole. Ça, c'est tellement intéressant comme expérience, comme développement personnel. Toute une ouverture sur le monde. Hein? Toute une ouverture sur le monde. On était en Inde, on était en Afrique, plusieurs pays en Afrique. On était à Pérou. On était à Jordan, plusieurs des espaces, des pays, des personnes, des groupes. On a beaucoup travaillé là-bas avec des enfants, avec même avec des animaux à Vietnam, des animaux sauvages sauvés. Et puis moi, quand je suis là, c'est certain que moi je prends des photos. Je suis toujours avec mon caméra à moi. Et on est de retour. Donc on a presque fini l'émission. Merci à tout le monde. Merci. Merci Chantal pour cette entrevue. On va partager le micro, là. Au plaisir. Et puis, bon, on va juste... J'ai un petit truc complètement hors sujet un petit peu. J'ai besoin du monde qui fait... Ben, c'est pas moi, là. Mais on a besoin du monde qui font des percussions, des tam-tams, amenez vos chaudrons, casseroles, un pot de plastique. Ben, des tam-tams sans peau d'animaux. Donc, c'est pour...
Une manifestation contre les usines à chiens. On sait qu'il y a une nouvelle loi qui vient de sortir qui démontre qu'on était les pires au monde de traitement d'animaux. Les usines à chiens, ils tuent à peu près... Ben, ils n'ont même pas tué. Ils les laissent vivants dans des containers à se mourir tout seuls. Donc, c'est un petit peu ça qu'ils revendiquent. Puis on essaie de... Ben, je leur ai dit, je vais leur donner un petit coup de main pour en parler. Puis c'est des body painters ou du monde qui veut faire des maquillages de visage. Ça serait pas mal plus du rouge si on mettrait un peu. Puis eux autres, ils vont aller faire des affaires un peu flyées. Donc, à 1h au Carré Saint-Louis, ce samedi, je vous invite en grand et en gros. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Là, j'en ai des frissons en vous en parlant, excusez-moi. Et puis, ben, on prend une grosse marche, puis on cogne nos chaudrons, nos casseroles, nos tam-tams. Des tam-tams, comment tu disais, Marc-André? Des tam-tams plastiques, là. Bon, anyways, on va marcher de... Ouais, vas-y. Ce qui arrive, c'est qu'évidemment, arrivez pas avec des instruments avec des peaux d'animaux dessus. Vous risquez de vous faire regarder. C'est ça. Donc, c'est surtout un beau projet hein, qui donne un statut d'être sensible aux animaux. Ben, c'est leur deuxième édition. Ils l'ont fait l'année passée. Des animaux qui auraient des besoins, notamment de socialisation. Il y a des amendes salées là, pour les contrevenants. La loi n'est pas les passée. Les tortionnaires, là, prison. C'est ça, mais là, la loi n'est pas passée, mais on essaie d'être sûr qu'elle va passer. Oui. Donc, venez en grand, c'est au Carré Saint-Louis à 13h, et puis on va marcher jusqu'au Parc La Fontaine. Donc, c'est pas bien loin, c'est une petite marche, puis on vous encourage à la population. Vous les avez sorti vos casseroles il y a 2 ans, ressortez-les pour une bonne cause, parce que, bon, on les aime, nos animaux, c'est nos compagnons, c'est nos êtres, nos frères, nos sœurs, manière de parler. Quand c'est pas à nous, mais c'est quand même des êtres. Fait que je vous encourage à les encourager. Mon Dieu, je suis en train de verser une larme. Mais je pense que... Je voulais juste rappeler tout simplement nos invités de la semaine passée. Ben, n'oubliez pas leur vernissage demain. Hein. Mouture chromatique, hein, les artistes André Leroux et Bourassa et Marie-Michel Gagnon. Donc, à la 91-50 Meilleur, suite 215, demain 6h à 9h. Excellent. Donc, on tombe en musique. Puis je pense que Marc-André va nous introduire c'est quoi l'album, parce que j'ai pas le titre devant moi, en fait. Simplement, c'est une fille qui vient de la francophonie ontarienne, Cindy Doiré, qui est contemporaine de Geneviève Toupin. J'avais fait venir, entre autres, Cindy Doiré au cabaret Zarico il y a un bon nombre d'années sur un dare. Elle était descendue de Toronto tout seule okay, avec sa guitare, puis on avait un soir assez hallucinant. Parce que je lui ai dit, qu'est-ce qui se passerait ici? Donc, ça vient okay, de son premier album, La vie en bleu, et ça s'appelle Ciao, ciao, chérie. On est sur Radio Centre 102.3 FM, les Condors. Merci tout le monde. Passez une super semaine, fin de semaine et bonne à la semaine fin de prochaine. Tout le monde. Très bien. Au revoir. Merci à tout le monde. Ciao, ciao, chérie. Je suis déjà partie. Déjà très loin d'ici. T'as fait une folie, le grand fou furieux. Je te dis adieu, mon fou.